vous avez des papas, des oncles, des frères, des enfants à vous qui viennent, montrez-leur. Oh la star. Maintenant c'est à vous de jouer, motivez-vous. Eh, c'est le match de l'année, ok? L'arbitre, les pieds. Aujourd'hui, tous les efforts que vous avez faits, il faut que ça paye. On est fébrile les gars en défense. Mais bon, ils font le taf, faut que vous soyez aussi bons qu'eux. Oh là là là. On est bon. Non, je vais faire une vraie intro. Eh, salablement de ça, Kim Pabossi, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment, 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 pour ce nouvel épisode de A Jamais Un Grenat. Quatrième épisode, ou cinquième, ou... Bref, je crois que c'est le cinquième. Je dirais que c'est le cinquième. Ouais, je pense. Merci, le caméraman peut parler, ça fait plaisir. Et en plus, okay. Il est en meilleure forme. Ça aussi, ouais, c'est ouais. Très important. Bref, les gars, aujourd'hui, match capital. Comme j'ai dit à la fin du dernier épisode, on a un match super important parce qu'on joue aujourd'hui les troisièmes du classement Dieudonne qui sont pas si loin, évidemment, du classement. Hein. Donc, évidemment, c'est un match super important, un match à ne pas perdre, mais surtout un match à gagner. Si on gagne aujourd'hui, on prend une option super importante pour la montée, puisque je le rappelle, évidemment, nous sommes en D3 et nous voulons évidemment monter en D2. Bref, donc du coup, les amis, je vais vous demander, comme d'habitude, de lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et dites-nous en commentaire. Voilà, vous dites si on est nul, si on est bon, bref. De toute façon, c'est pour le référencement, tu connais. Bref, on est parti, on part rejoindre l'équipe. Il est chaud le caméraman aujourd'hui, en plus, il y a le padré. Hein. Il y a le padré aussi, hein. Donc il y aura une interview avant match, après match, mi-temps. Bon, t'as capté, on est ensemble, je te fais la bise. Alors, dépêchez-vous, les gars, match important aujourd'hui. Voilà, on se fait engueuler par l'entraîneur. Bon, 5 minutes, ça va, on est. On est en avant. Je vais être remplaçant, genre, avec ces conneries. Il est là, le 50. Il est là, ça. Vous allez bien, les gars? Taille 50. Ah, bien. Tranquille. Ça va? Comment tu vas? Oh là 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 là. C'est beau, celui-là. Tranquille, ou quoi? Je vais vous faire chier. Caméraman, ça va? Allez. Le temps va vite, Coco va plus vite. Bon, le match tant attendu, qui est important pour nous, comme vous le savez, on ne doit pas perdre ce match. D'accord. Si on ne le gagne pas, c'est pas grave. Et on doit surtout ne pas le perdre. Donc deux matchs en retard, s'il gagne leurs deux matchs en retard, il revient à égalité. Soyez costaud, j'espère que vous êtes préparés. D'accord. Toute la saison s'est préparée, toute la saison on est venu aux entraînements. Faites tous les efforts. On prend des joueurs de la A comme des joueurs de la B. Il y en a certains de temps en temps qui jouent avec moi, d'autres des fois qui jouent en B. Peu importe, comme je vous ai dit, on n'est pas une équipe, on est un club. D'accord. Donc on joue pour les couleurs de notre maillot. Aujourd'hui, tous les efforts que vous avez faits, il faut que ça paye. Donc il faut que vous soyez des chiens sur tous les ballons. Là, vous jouez comme si c'était une finale. Donc rentrez-moi dans cette finale. On verra les matchs d'après. Aujourd'hui, c'est une finale, c'est hyper important. Si vous devez terminer avec des crampes, vous terminerez avec des crampes. Attention, première chaleur, ça va être compliqué au départ. D'accord. Je vais vous demander dans un premier temps, le premier quart d'heure, il faudra que les lignes derrière, que vous suivez, vous accompagnez. On va essayer de leur mettre la pression directement. Comme on a vu, je ne sais pas s'ils ont la même équipe qu'à l'aller. Mais comme on a vu à l'aller, enfin, en tout cas moi j'avais repéré ça. Quand ils sont dans leur ligne défensive, il faut qu'on les presse. Il faut qu'on les presse pour les empêcher de jouer. Leur jeu c'est simple. Les attaquants, soyez vigilants. Première mi-temps, match aller, on s'est pris le bouillon. Pourquoi? Parce que eux, ils ont joué comme je vous avais demandé de jouer au début du match et que vous n'avez pas fait, que vous avez bien fait en deuxième mi-temps. Eux, c'est simple, ils jouent comme ça. Lui, il récupère le ballon, lui, il récupère le ballon, lui, il récupère le ballon. Et ils envoient, ils ont une flèche là, le petit qui était surtout Axel. Et ils ont une flèche là, là, le métis, pareil. D'accord? Et ils ont leur neuf, qui est un petit peu costaud, qui joue en pivot et qui remet les ballons. Donc lui, il va falloir aller me le chercher. Quand il est en pivot, je veux pas qu'il se retourne. Je veux que vous l'obligiez à jouer vers l'arrière. Je ne vous demande pas forcément si vous pouvez lui prendre, vous lui prenez. Et l'objectif principal, c'est de le faire reculer. N'allez pas chercher tout de suite à vouloir faire la passe D, à tout de suite vouloir marquer ou quoi que ce soit. Il va falloir être patient. Il va falloir mentalement être très fort. Si on vient être mené au score, eh ben c'est pas grave, on ne s'embrouille pas, on s'encourage. On s'encourage tous. Par contre, je vais vous demander de mettre du volume de jeu. Ça veut dire, quand on n'a pas le ballon, je veux que tous, mis à part lui,
que vous soyez derrière la balle. Tous derrière la balle. Si la balle, elle est là, vous êtes tous comme ça. De manière à qu'on crée un bloc et une densité qui ne trouve pas d'espace. Vous leur mettez là, eux, ils savent que le ballon va aller là. Kevin, serre-toi un peu plus de ta tête. Je sais que t'es un peu plus un joueur de ballon. Si tu vois, comme la semaine dernière, tu t'es un peu encore fait chier parce que les ballons, forcément, ils n'arrivent pas. Après, des fois, ils n'arrivent pas parce que t'es pas forcément bien placé non plus. Mais si tu dois aller la chercher et si tu vois que Bergou il a du mal à faire pressing et que toi il ne vient pas jouer sur ton côté, eh ben viens avec Bergou. Après, Bergou, si tu vois que Kev y rentre, ça amène un défenseur avec lui et qu'il y a de l'espace là, sois malin, tu sais le faire. Tu l'as encore fait à l'entraînement là, jeudi, j'ai vu. Les mecs, mettez-lui le ballon, Bergou il va faire l'appel comme ça. Et après, il va s'entrer, ça sera Kevin qui sera là. Oumi, Chris, travaillez bien ensemble, il y en a toujours un qui reste, d'accord? Toujours un qui reste. Gagnez, vous, vous êtes votre rôle là, vous êtes des récupérateurs de ballon, vous êtes des récupères, vous devez être des chiens, vous devez être ceux qui récupèrent le plus de ballons. Vous jouez à ce poste là, c'est parce que vous avez le volume de jeu. Hakim, j'ai encore vu grâce à tes vidéos là, alors je sais que c'est ça, je te connais depuis des années, essaye de jouer en deux touches de ballon. Il y a des fois, tu es là, tu vas faire un crochet, tu vas faire ça, alors tu peux centrer direct. Fais-le, ça va te faire économiser de l'énergie. Tes crochets, tu viendras les faire là, tu viendras les faire juste devant la surface. Un crochet, boum, tu frappes. Ou un crochet et puis boum, tu fais la passe D. Ok ? On va avoir de la vitesse. S'il y en a un qui a un bobo, quoi que ce soit, je sais que le match, il vous porte tous à cœur. D'accord ? C'est notre match de la saison. Vous le dites, il y a ce qu'il faut sur le côté. Là, Antoine, tu m'as dit que tu avais un petit truc. Si tu vois que ça va pas, tu le dis. Il y a Coco, c'est pareil. C'est bip bip devant, c'est pareil. Ça sera le même profil. D'accord ? Si on voit que ça ne passe pas, parce que à la mi-temps de Dieudonne, j'avais changé de stratégie et ça avait fonctionné, si on voit qu'on passe pas et que je vois qu'ici je ne fais pas d'effort, je supprimerai le 10 et je passerai avec les deux attaquants et deux sur les côtés. D'accord ? Tous les gens, juste déjà pour vous, rien que pour les efforts que vous avez faits, vous devez tout donner aujourd'hui. Pour tous les gens qui sont là tout le week-end, pour le président, pour le stade qu'on vous a fait, il n'y a pas une équipe de Détroit qui a deux stades, deux galettes comme ça, les gars. Les salles qui vous payent l'hiver, tout ce qu'ils peuvent faire pour vous. Honorer, pour les clubs, pour, je sais pas, si vous avez des papas, des oncles, des frères, des enfants à vous qui viennent, montrez-leur aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de jouer, motivez-vous. Eh, c'est le match de l'année, ok? Allez, c'est parti, les gars. Maintenant, mettez-vous en mode guerrier là dans votre tête là. Okay. Okay. C'est eux ou nous. C'est eux ou nous. Donnez tout. Cette prochaine, on joue pas. Donnez tout. Il y aura 15 jours pour se préparer pour le prochain match, pour se reposer s'il y a des petits bobos. Donnez tout. Vivez beaucoup. Première chaleur, ça va être compliqué. Il y aura des émotions fortes et il y aura des émotions faibles. Il faut savoir le gérer. Dans l'ordre. Ça va être de la gestion. Allez, les gars, dans l'ordre. Oh le padré! Oh la star! Ça va toi? Un petit discours. Un petit, je viens d'arriver d'abord, il faut que je boive un petit café et après on discute. Quoi? Comment ça mon ref? Ça va? Je sais pas, est-ce qu'il donne quelque chose à l'entraîneur numéro 10? Moi, je peux lui donner 0-0. J'espère qu'ils vont gagner ce match-là, parce qu'ils sont obligés pour qu'ils gagnent ce match-là. Et ça commence, l'équipe, ça tourne. Franchement, je suis très heureux pour eux. Donc, je vois que l'équipe, chaque élément s'améliore. Et aujourd'hui, ils vont gagner, pourquoi pas, 2-0. C'est noté, c'est enregistré. Impeccable. We'll be right back.
main. Ah oui, super les gars. Super Clément, super. Les gars, la suite, allez, allez, la suite, les gars, allez. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Très bien, Akim, très bien. Allez, très bien. Très bien. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Super, bien joué. C'est bon. Allez, on joue un peu. Voilà. Voilà. Allez, encore. Les pieds, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Regarde les pieds, regarde. Regarde les pieds. Allez, allez, encore les rouges. Encore. Allez, les rouges, hein, on a allez, on bouge. Doucement, doucement. Fini. Fini.
Les gars, un milieu là. Ouais, le gars. Oh, super le gars. Regarde le gars. Ouais, allez. Bien, qui va aller. Allez, deux pour moi. Deux pour moi. Non, 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 non. Allez. Allez. C'est bon. Eh bien, Rémi, allez, 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 allez. Attends. Allez, allez, Hakim, allez encore, allez, encore. Allez. Oh non. Bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué, Hakim au départ. On prend lui bêtement. Quel but ! Mais c'est quoi ça ? Deux, ok. Vous avez su le faire deux fois, on va le faire une troisième fois. Et si on ne doit pas le faire, on doit finir à 2-2, on finira à 2-2. Putain, coup de pied arrêté, il a là. Axel, marquage, tu lâches. Et quand je vous dis couper les courses, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire quand je vous dis couper les courses. C'est-à-dire que le moment où le mec il prend son élan, là vous lui rentrez dedans et là il ne peut plus sauter. Deuxième but, pareil, ici. Il n'y a pas de couverture là, encore là, 14. Il n'y a pas de couverture ici. On est fébrile les gars en défense. Devant ils font taf, faut que vous soyez aussi bons qu'eux. Gauthier ouais. Pareil, t'es pas rassurant. T'es pas rassurant derrière. Mets de la voix. Et ta défense. D'accord. Et les gars, ça va être que ça. Ici au milieu, vous allez être morts. Ça va faire que des allées et des retours, des allées et des retours. Ils jouent que comme ça. Ils jouent que long sur leur 7 qui était là ou leur 14. Leur 7 qui est là et leur 11 qui était là. Le 11, il est sorti. Maintenant c'est le 14. Il joue que long. Et le 9, c'est un charognard. Donc vous êtes dans le match. Continuez comme ça. Attention quand ils ont des coups de pied arrêtés. À chaque fois qu'on obtient une faute contre nous, vous êtes en train de parler ou commenter. Eux, ils jouent vite. Ils posent la balle, ils jouent direct. Ouais, je laisse comme ça en place là pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et après, on va faire quelques changements. Essayez de trouver dans les pieds. Dès que vous trouvez dans les pieds, ils sont morts. Bergouter, c'est bien dans ton match. Continue. Au mid, Chris, ça va, vous êtes pas mal. Chris, fais gaffe, des fois t'es un petit peu haut. Je suis 8, qui est très haut. Ouais. On a marqué. Ouais, mais j'ai vu du coup Hakim redescend ici là. Johan, va
là-dedans. Là, tu prends un jaune parce que tu vas faire des fautes à la con, là. C'était le troisième, c'est sûr que tu le prends. Le 7, là, qui est ici, il joue pas mal sur lui. Quand il joue, il faut être tout de suite sur son dos. Antoine, tu viens et tu te mets sur le 7. Comme ça, Yo, tu restes bien en défense. Je vais sûrement rajouter un attaquant là. Hakim, encore 10 minutes, un quart d'heure. Je vais voir, peut-être que je changerai d'avis entre temps. T'as l'air d'être bien aussi. C'est dur à faire des changements dans un match comme ça. Antoine, encore 10 minutes, un quart d'heure. Par contre, si j'enlève là, si je prends cette option là, les gars, ou mid Chris, restez bien en place. Allez, j'ai envie de chanter à la fin, les gars. Allez, 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 les gars, debout, levez la tête. Allez, les gars, faites jouer ce match comme si c'était le dernier match. Les gars, si je fais des changements, soyez pas frustrés, d'accord? Je suis obligé d'en faire. Non, franchement, il mérite de gagner le match. Après, il faut qu'il soit plus décisif derrière. Franchement, deux occasions, deux buts. C'est compliqué de gagner comme ça. Après, pour une équipe qui est troisième derrière nous, je trouve qu'il y a moyen de les... Il y a moyen de gagner. Il y a moyen de gagner. On va gagner, les gars. Il faut y croire jusqu'au bout. Il faut juste être plus décisif dans les deux surfaces. Voilà, on verra bien. Première mi-temps, normalement, il peut gagner largement 3-4-0, mais des petites fautes de la défense. Franchement, les deux buts qu'ils ont pris sont des buts... facile, pas de marquage. C'est comme ils croient qu'ils vont gagner 6-0 ou 7-0, donc il ne faut pas lâcher l'affaire. Donc il faut que la défense corrige ses fautes. Il faut qu'il y aura des marquages stricts. Et comme ça, il peut gagner largement. Parce que l'attaque, franchement, ils ont été là. Ils ont dit bon, l'équipe, ça marche. Et j'espère qu'ils vont gagner largement. Allez, Sassi! Doucement. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on reste. Hakim. Là. Là. Très bien. Hakim, derrière. Très bien.
Très bien, très bien. Très bien, JP, très bien. Tu es un homme fort, je le jure. Hein. Très bien, JP, très bien. Voilà. Franchement, très bon match, il mérite, donc voilà, on ne peut rien dire, c'est une bonne équipe, ce sont des joueurs qui sont bagarrés jusqu'à la fin, donc on est déplacé, pas pour rien. Hakim, gros match. Ah ouais, Hakim, il était dans le match, franchement, parmi les meilleurs joueurs dans l'équipe, donc il a bien donné, franchement, et même pour moi, seulement parce qu'il l'a sorti un petit peu pour espérer tout ça, normalement il ne sort pas, il finit le match tranquillement, donc c'est impeccable. Victoire! Ouais, ah oui! Les gars, je vous propose un truc. Allez. On va le faire avec tous les supporters. Allez, les gars! J'ai une demande. Qui a de la Biafine, s'il vous plaît? Qui a de la Biafine? Le daron il squatte, tu crois il a gagné, en vrai il a gagné. C'est bon les gars, allez lancer le clapping. C'est passé, on les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Masterclass aujourd'hui. Ah, je suis mort. Gros match. Ah là là, là. Gros match. Gros match de l'équipe. Gros match. Regarde, oh, je vais même essuyer le. Ah, c'est eux qui jouent. Ah, là, là, là. On est bon. En plus, on a un business avec le président, tu crois? On a un business avec le président? Ouais. Ah, oh, c'est bon ça. Essaye de racler au max. Et au moins que la licence soit remboursée. Ça fait plaisir. À confirmer maintenant. Caméraman dans la zone de port. Caméraman, viens voir. Non. On a 3 points d'avance. Si on perd un match et qu'il le gagne,
On vient à égalité. D'accord. Mais voilà. Normalement, on a 4 points d'avance. Normalement, on a 4 points d'avance. Si on fait égalité, à la fin, on est bon. Et les gars, un grand merci au caméraman qui est là tous les jours. Ouais, c'est vrai, avec plaisir. C'est vrai, merci. Oh, c'est le padré qui régale. Oh, le padré il régale. Tony, tu veux quoi? Tu veux une normale? Oh, c'est gentil. Pourquoi? Oui, attends, tu filmes. Agresser. Coca, s'il vous plaît. Ok. Mais qui s'est fait agresser? Tu veux quoi, toi? Tu veux quoi? Voilà. Vas-y, bois, frérot, bois. Je suis une pub. Ouais, voilà. Bois. Vas-y, caméraman, on le voit jamais. Allez, voilà. Je suis une pub coca. Ça fait plaisir pour le caméraman, ça fait plaisir. Le caméraman est soigné. Ouais, on essaye un petit peu. Il y a un délire. C'est tout. Le caméraman, il y a un délire. Vous notez en commentaire. Ouais, mettez référencement, tout ça. Bref, les frérots, voilà, victoire, très très belle victoire évidemment sur ce match de l'année, j'ai envie de dire, un match qui était super super important pour la montée. Donc là, du coup, on prend 3 points d'avance sur Dieudonne. Il reste encore quelques rencontres. On a notre destin entre nos mains. Si on fait un sans faute jusqu'au bout, ne serait-ce juste un match nul, mais après, il faut faire que des victoires. Normalement, ça devrait le faire pour la montée, parce que je le rappelle, seuls les deux premiers monte. Donc voilà, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, merci pour votre soutien, merci pour les partages, et merci aussi aux personnes qui sont venues nous soutenir sur le terrain, ça nous a aidé de fou, et merci encore au caméraman qui a été encore grandiose, évidemment, et puis la caméra qui a deux doigts de rendre l'âme, il y a eu trop d'eau, tout ça. Vous me devez une caméra, mais vraiment, là, on est en PLS, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. En tout cas, les frérots, prenez soin de vous, c'était Hakim pas possible. À jamais un Grenat, évidemment, épisode 5. Et on se retrouve... Bah alors, pas la semaine prochaine. On n'a pas de match, on est exempt. On a été éliminé de la coupe, évidemment. On se retrouvera sur le championnat le week-end d'après. Et en espérant avoir notre cher caméraman, évidemment. Bref, prenez soin de vous, c'était Hakim pas possible. À jamais un Grenat, on est ensemble. Évidemment. On fait la... Je sais pas où je voulais aller en faisant ça, je comprends pas. T'as kiffé le maillot Superman un peu? J'étais un peu en mode Superman dans la rencontre. Bon allez, ça prend Yoku, ça peut trouver. Oui. 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 Oh. 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 Oh.